Good morning, Aleiden. Les tu seras aujourd'hui les lunish matrivka, bat sarah Rachel, Rachel, bat sarah Peggy, bat Esther, Lisa, Lisa, bat Frecha, Zara, bat Mazaltov, Shish Portish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perigdalet, Mishnah Gimel. Sanhedrin aïta kechatsi goren agula, kedesh eyu roim zedze. ושני סופרי הדיינים עומדים לפניהם, אחד מימין ואחד משמאל, וכותבים דברי המזקין ודברי המחייבין. רבי יהודה אומר שלושה, אחד כותב דברי המזקין ואחד כותב דברי המחייבין, והשלישי כותב דברי המזקין ודברי המחייבין. Notre Mishnah va nous présenter le Sanhedrin, les 23 juges, comment ils ont été disposés. Il y aura dans toutes les prochaines Mishnahs, on va en parler longuement de la manière dont ils étaient installés, la manière dont ils débattaient. Des questions, on a déjà évoqué quelque chose déjà depuis la première partie de la Mishnah, juste je vous le rappelle, ça nous servira dans cette même Mishnah, que pour condamner pour prononcer une condamnation à mort, il ne pouvait pas prononcer la condamnation au jour le jour. Il devait nécessairement attendre le lendemain. On aura l'occasion d'en reparler longuement, mais en tout cas, on veut justement qu'ils aient le temps, qu'ils aient une nuit qui passe sur eux et qu'on se réunisse le lendemain matin et qu'on se concerte pour voir est-ce qu'on, après que la nuit ait porté conseil, est-ce qu'on reste encore sur notre position avec est-ce qu'on veut vraiment condamner ou non. D'accord ? On aura l'occasion, dans cette Mishnah, on en aura besoin justement. Mais pour le moment, on va vous présenter le Bet Din. Donc, le Sanhedrin était Kachatzi Goren Agula. Kachatzi Goren Agula, ça veut dire en demi-arc, pas littéralement. Ça veut dire, le Beit Din et les 23 juges, ils étaient assis sous forme d'arc. Pourquoi ? Afin que les uns puissent voir les autres. C'est-à-dire, après que les plaignants se soient plaints, et que les témoins aient déposé leur témoignage. Maintenant, les 23 juges s'engageaient pour des grandes discussions, où chacun devait se prononcer, est-ce qu'il pense qu'il fallait condamner, disculper, et justifier, c'est là le plus important. Ça va être précisé, on va mettre le... D'accord ? Chacun devait justifier, essayer de convaincre l'autre pourquoi il pense qu'il faut condamner ou au contraire disculper. D'accord ? Donc, étant donné qu'il y a une discussion, on ne pouvait pas les mettre en ligne droite de 23 juges, ni sous forme de deux rangées. Vous imaginez bien, on ne va pas se tourner, on va attraper des torticolis, on ne va pas vouloir discuter tellement que c'est fatigant de se tourner la tête. Donc au moins, on les met en arc bien arrondi, comme ça chacun voit l'autre avec le grand boss au milieu, le Beit Din, et selon le niveau des juges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'aux extrémités, on aura les juges les plus jeunes, les moins expérimentés en fait, qui sont déjà des grands talmides chachamim bien sûr, mais qui sont quand même les moins expérimentés. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus tard. Dans la prochaine Mishnah, tout simplement. D'accord ? On aura l'occasion de mettre plus le zoom dessus. Donc, ils étaient donc disposés sous forme de Chatzi Goren Agula. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas en rond complètement ? Pour la simple raison que les plaignants et les témoins doivent parler devant le Beit Din. S'ils sont en rond, ils ne vont pas se mettre à faire la girouette, à tourner constamment, comment ? D'accord ? Donc on les met en demi-cercle et ils se présentent devant. Étymologiquement maintenant, le Chatzi Goren Agula, ça veut dire la moitié d'un Goren, une grange, Agula, qui est ronde. Je ne sais pas pourquoi les granges, elles sont rondes dans le chasse. J'ai aucune idée, j'ai pas fait de recherche historique. Je sais pas, c'est toujours rapporté comme ça, même dans le Zohar, il y a Hydra Rabba, Hydra Zuta, où Rabbi Shimon il a réuni ses Talmudim pour leur dévoiler les grands Sodot. On lit ça, les Lunishmat, les Hydrot, on le lit à plusieurs occasions. Hydra, c'est quoi ? C'est la grange. Et là-bas, je sais pas pourquoi, de nouveau, ils étaient sous forme d'arrondi, d'arc. D'accord ? Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, outre les 23 juges, la Mishnah nous enseigne. Ushnei Sofrei Adayanin Omdim Lifnei Yem. Deux scribes, les scribes des juges, étaient devant eux. Donc, pour écrire le protocole, Echad miyamin ve echad mismol, un à droite et l'autre à gauche, ve kodvin divrei yamezakin ve divrei amechayvin. Et ils écrivent les paroles, les propos des juges qui mezakin zchut, qui disculpent, ve divrei amechayvin, et les propos, les avis et les justifications des juges qui vont condamné. On va mettre le zoom dans quelques secondes. D'abord, je vais juste finir une fois la Mishnah, parce que Rabbi Yehuda sera plus clair, et on pourra ensuite remonter sur Tanakama pour expliquer qu'est-ce qu'il a dit exactement. Rabbi Yehuda, il dit, non, Shlosha. Rabbi Yehuda Omer Shlosha, trois scribes. Echad Kotev Divra Mezakin, l'un écrit les paroles de ceux qui disculpent. Ve Echad Kotev Divra Mechaïvin, et l'un écrit les paroles de ceux qui condamnent.
Véachléchi, le troisième juge, que je ne sais pas où il est, est-ce qu'il est à droite ou à gauche, ça c'est pas précisé. Véachléchi, le troisième juge. Alors, côté divré, Hamesakin ve divré Amichayubin, il écrit les propos et justifications de chacun des juges qui condamnent et qui disculpent. Soit, donc d'après Rabbi Yehuda, on reprend, on a trois juges, un qui est chargé uniquement d'écrire à tel Rav Ploni, il est d'avis à disculper, alors là on dit à celui qui est à droite, toi tu t'occupes d'écrire ce qu'il a dit, qu'il disculpe, et pour quelle raison? Quelle est sa preuve du chasse, de la Torah, d'accord? L'autre condamne, à toi de l'écrire, et à part ça on a le troisième scribe qui est là, écrit qui les propos de chacun, il doit aller deux fois plus vite, d'accord? De là, on va remonter sur Tanakama. Tanakama, lui, a dit un juge qui écrit, deux juges. Et il ne nous a pas assez précisé, est-ce que chacun écrit tout, ou est-ce que un écrit les paroles de ceux qui disculpent, et l'autre écrit les paroles de ceux qui condamnent. Si du Bar Tanoura, on va déduire, et bien selon le Rambam, qu'il pense que c'est exactement sur ça qu'il discute. Selon, d'après Tanakama, alors il y a un juge qui écrit ceux qui condamnent, un scribe qui écrit ceux qui condamnent, un scribe qui écrit ceux qui disculpent. Et Rabbi Yehuda dit non, ça suffit pas. Je veux qu'il y en ait un en plus qui va attester davantage le fait que tel Rav Reuven a voulu condamner en justifiant de tel verset, une preuve de tel verset. D'accord? Il insistait pour qu'il y ait deux juges comme ça. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors là, on va y arriver tout de suite. Dans encore deux petites secondes. D'accord? En tout cas, donc on a ici une marloquette. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait deux? C'est-à-dire, les scribes, quand ils vont retranscrire, ça va être un témoignage que, comment tout. Étant donné qu'on va se concerter le lendemain matin pour voir, alors finalement, Réhouven, qu'est-ce que tu penses? Tu penses toujours qu'il faut condamner? Qu'est-ce que tu vas dire, Réhouven? Ouais, tu penses qu'il faut condamner parce que tu as une preuve de tel halakha, de tel pasou, de tel gemara. Donc, tu penses que tu veux condamner. Et maintenant, si Réhouven va. Le problème va se poser lorsque Réhouven ne va pas. Réhouven ne va plus revenir sur le même propos exactement qu'il avait hier. Pour prouver contre lui, d'après Rabbi Yehuda, il faut deux témoins. Donc de ce fait, il va falloir deux scribes qui écrivent les propos de ceux qui condamnent et deux scribes qui écrivent les propos de ceux qui disculpent. Mais au lieu de nommer chaque juge qui écrit, il risque de s'embrouiller. Donc on nomme deux juges, deux scribes. Je ne sais pas ce que j'ai avec les juges aujourd'hui. En tout cas, on nomme deux scribes. Un qui... D'accord, on s'est compris ? Un qui écrit les paroles de ceux qui disent oui, l'autre qui écrit ceux qui disent non, et un qui écrit les paroles de chacun. Comme ça, ça va nous faire deux scribes contre le même juge. Si toutefois le juge change d'avis. Et d'après Tanakama, c'est pas la peine, ça suffit d'avoir un seul scribe. Il y a, maintenant c'est bon à savoir, le Tosfot Yom Tov rapporte au nom de Rashi, un autre moyen d'expliquer à la Mishnah, que même d'après Tanakama, il y avait deux scribes. Chaque scribe écrivait les paroles de tous. Ça, c'est d'après Tanakama, donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours deux témoins. Le seul problème, il est que Rabbi Yehuda, il a dit non, si on dit aux deux scribes d'écrire les paroles de chacun, ils risquent de s'embrouiller et de s'en mêler les pédales, ils vont plus, ça va faire trop de travail. Donc on préfère nommer un pour ceux qui inculpent, l'autre pour ceux qui disculpent, et à part ça, un autre qui va certes avoir beaucoup de travail, mais qui va être là juste pour attester que c'était oui, c'est non, il aura moins de responsabilité sur lui, donc il va plus pouvoir tenir le rythme. D'accord? C'est ici la discussion qui est entre les deux. Maintenant, quel est l'intérêt d'écrire les propos de chacun? Le Tosfot Yom Tov nous rallonge longuement pour expliquer deux points importants. Premier point d'abord, je préfère commencer par le deuxième point du Tosfot Yom Tov, il est plus facile à comprendre. Il concerne donc la Mishnah, la première Mishnah. On avait vu une halakha particulière. C'est que lorsque l'on a l'impression que l'on va condamner à mort l'accusé, il va falloir laisser une nuit passer sur les juges, et ils vont se réunir le lendemain matin pour se concerter une deuxième fois, et se prononcer enfin le verdict. Lorsqu'ils vont se prononcer le lendemain, alors il y a quelque chose de particulier qui va se passer. C'est que si chaque juge va dire « je pense qu'il faut condamner parce que tel halakha rapporté dans le Rambam Perek conclut qu'il faut le condamner, c'est une vraie condamnation, c'est une transgression du Shabbat clair qu'il a fait, il est condamné à mort, il faut le lapider. » D'accord ? Si toutefois le juge change d'avis, c'est-à-dire il va prononcer qu'il faut le condamner, mais en apportant un attestant maintenant d'une autre manière, en étayant son propos autrement, il va apporter une preuve d'un autre Rambam. On va dire, oh là là, tu viens avec une nouvelle raison, il va falloir un jour supplémentaire. Il va falloir laisser passer une nuit supplémentaire. Donné que tu avances une nouvelle raison, peut-être que quand tu vas réfléchir la nuit, tu vas finalement réaliser que cette raison, c'est pas une bonne raison. Donc, on va te laisser une nuit supplémentaire pour te prononcer. D'accord ?
Un premier intérêt, donc, d'écrire les propos. Deuxième intérêt, en plus, une halakha très particulière, c'est que, vous savez bien, la Torah, elle peut être expliquée de 70 façons. Mais 70 enseignements ne peuvent pas être déduits de... même un enseignement ne peut pas être déduit de deux psoukim même. C'est-à-dire, d'un pasouk, on peut déduire deux halakhot. Ça, c'est donné. Mais on ne peut pas déduire une même halakha de deux psoukim. Donc maintenant, d'accord ? Parce que la Torah, elle a parlé une seule fois pour dire les choses. Elle a pu inclure plusieurs choses dans une même phrase, mais elle ne va pas te répéter deux fois une même phrase, deux fois un enseignement différent, pour t'apprendre la même chose. C'est une règle. De ce fait, on ne va pas allonger dessus, il y a beaucoup de quoi développer, est-ce que c'est réellement toujours comme ça ou pas, mais en tout cas, c'est un principe qui est créé ici. « Achad diber Elokim shteim zo shamanu » Une, Hachem, il parle une fois pour faire entendre deux choses, mais il ne parle pas deux fois pour faire entendre une même chose. D'accord ? Ça est rapporté ici, dans la Gemara, c'est rapporté dans le Tosafot Yom Tov. Selon ce principe, supposons maintenant qu'on a reçu le témoignage, comme on a pris l'exemple, une transgression du Shabbat, il faut le condamner à mort, il a porté. Il a porté pendant le Shabbat, sur la voie publique, quatre amot, le jet arabim, et tout ça. Et puis moi je vais dire, ah oui, il a porté et il y a marqué tel pasouk. De tel pasouk j'ai déduit qu'il ne faut pas porter. Et mon ami dit, ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que moi je le déduis d'un autre pasouk. Alors on est deux avis qui condamnent, mais on apporte chacun un pasouk différent. Et bien on ne sera compté que comme un seul. D'accord ? De ce fait, tel est l'intérêt d'avoir les scribes qui sont là, qui notent les propos de chacun. Toi tu as voulu condamner et même disculper, ça revient au même. Toi, tu as voulu disculper parce que tu as considéré que c'était Melacha Shenatzricha Legoufa, et l'autre, il a dit non, c'est d'avoir Shenomit Kaven, et l'autre, il a dit vous avancez pas les mêmes raisons, vous apportez, en apportant des, c'est-à-dire, pas uniquement des raisons, en apportant des preuves de psukim pour une même halakha, vous l'apportez de deux sources différentes, vous ne serez pas compté comme deux juges, mais vous serez compté comme un seul juge. D'accord ? Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire, il y en a un de vous deux qui dit forcément quelque chose de pas juste, donc on ne peut pas comptabiliser deux juges qui condamnent, ou qui disculpent. Et on a à présent fini la Mishnah, on fait rapidement le Mortel Noir. Kachati Goren Agula Kedeshiyur Im Zeedze. Comme une demi-grange, donc on a dit un demi-arc, Kedeshiyur Im Zeedze, afin qu'elle puisse se voir l'un à l'autre. Damarka, quand le pasuk dit Shorerech Hagan Asahar. Shorerech, on est dans Shirachirim là, je suis en plein dans avec Zayn, le prochain 5 minutes qui sort, c'est sur ça. Shorerech Hagan Asahar. Shorerech, c'est le nombril, donc le centre du monde, Hagan Asahar. Alors Hagan, c'est une coupe, d'accord, c'est une forme de coupe justement. Asahar, en forme de lune. Sahar, c'est la lune. Ce sera apporté dans le Targum Sihara, je ne sais pas si en arabe le Sahara c'est lié, très probablement, c'est quasiment sûr, même je suis sûr, je ne parle pas l'arabe, mais bon. Shorerech Hagan Asahar, en tout cas, qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Shorerech, ton nombril, il est comme une coupe, avec un mot Hagan, donc c'est une coupe en forme de lune. Ou Hagan Minashon Magen, protégé. Soit ton nombril protège la lune. C'est flou au possible, c'est du pur Shirachirim. En tout cas, Chachamim explique comme ça le pasuk. Shorerech Hagan, Zo Sanhedrin, Shoyoshevet Betiburo Shalolam. C'est le Sanhedrin qui est assis au nombril du monde. Yerushalayim, c'est le nombril du monde, et là-bas il y avait le Sanhedrin de là. Ou Magina Al-Kol Olam Kulo. Et elle protège surtout le peuple du monde. Veidoma les Sahar, et elle ressemble à un Sahar, la lune, en araméen. Chez Yoshvin, Ba'agol Kachati Yareach, qui sont assis comme une demi-lune. Soit, ce passage nous dit, il vante la beauté du Sanhedrin. Ton Sanhedrin, qui est au nombril du monde, qui protège le monde entier avec sa forme de lune. Comme ça, le passage vante le Sanhedrin, donc on a dit que le Sanhedrin était assis en Chatzi Goren Agola, en demi-arc. Targum Yerach, la traduction du mot Yareach, la lune, Sihara, d'accord? Sihara. Ou Ba'agula Shlema En Yoshvim. Maintenant, on ne pouvait pas s'asseoir avec en rond complètement. Pourquoi? Mipneish Sechin Valedinim Valedim Lamod Bifne Adayanim. Les canes, vous les d'abord bifné koulam. Je ne savais pas faire, ça n'a pas marché là. En tout cas, ils ont. Donc les plaignants, veaïdim et les témoins, ils doivent les canes ou le d'abord bifné koulam. Ils doivent entrer et parler devant tout le monde. D'accord? Devant chacun. Donc ils ne peuvent pas en cercle, ils vont se mettre à tourner sur eux-mêmes, ce ne sera pas possible. Même s'ils tournent, ça ne marchera pas, parce qu'ils donneront forcément leur nuque à quelqu'un d'autre. Rabbi Yehuda Omer Shlosha Hayu. Selon Rabbi Yehuda, il y avait trois juges. Trois scribes,
Afin qu'il y ait ainsi deux personnes qui vont pouvoir témoigner que toi, Rav Reuven, tu veux disculper avec tel propos, hier tu as dit le contraire. Le contraire avec un seul juge ne suffisait pas, c'est pour ça qu'on a demandé de mettre un deuxième, avec deux scribes. Un seul scribe ne suffisait pas, Ah, j'y arrive pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc comme ça, on aura deux témoins, deux scribes qui vont témoigner que toi, Rav Reuven, hier, tu as affirmé un autre propos. Donc on va devoir laisser du supplémentaire, ou bien on va pouvoir comptabiliser un seul juge, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.